va? Oui, Mathieu, je le tripote. C'est mon nouvel ami. Il est doux, hein, ma charviette. Oui, j'adore. Elle était douce. Enfin, bref. Donc, petit point de juin. Petit point, c'est bien. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors, ce que je voulais vous dire, bah, déjà, merci encore à vous. On approche les 1000, les amis. On approche les 1000. Qui en soi, c'était un très beau joli nombre, 1, 0, 0, 0, et un chiffre rond, donc c'est sympathique. Et puis voilà, si on peut passer les 1000, c'est pas trop mal, on pourra avoir accès à d'autres fonctionnalités de YouTube, éventuellement faire des petits lives, éventuellement faire des petits posts et tout ça, machin, donc... On verra comment ça évolue, on se rend pas la tête, on attend que ça vienne sans faire de trop de pub, et puis les gens plaisent, ils restent, s'ils se plaisent pas, ils partent, mais c'est pas grave, mon Dieu. Oh, bref. Alors, le mois de juin pour moi a été chargé, mais c'est pas du tout le point, c'est pas du tout le mois, le point, tu peux pas le dire avant, c'est le mois de mai que je te parle. Voilà, mais à quoi vous servez, enfin? Non, je déconne, hein. Oui, donc c'est le point de... C'est le point de mai, hein, voilà, le point de mai. Donc le point de mai a été relativement chargé pour s'occuper de vos bagnoles. Donc là, ça y est, il me reste, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il me reste l'AFG. Voilà. Maintenant, si vous voulez que je m'occupe un peu de vos voitures, j'ai un petit peu de place, donc c'est avec plaisir que je vous aiderai pour vos recherches d'occasion, pour révision, etc., etc. Donc voilà, donc vous allez voir plein de vidéos qui vont arriver, de voitures qui sont arrivées, qui vont partir, qui ont été révisées, revasées, machin. Peut-être des vidéos de retour de gens qui ont été contents, ou peut-être des vidéos de gens qui ont été pas contents. Donc voilà. Et puis pour le futur de la chaîne, eh ben écoutez, on va essayer d'alterner. Maintenant, on va aussi sortir toutes les vidéos qu'on a retenues suite au confinement. Donc, vous bernez pas, vous. Oh, Nicolas, il fait pas beau, il pleut, il fait 13 degrés. Oui, parce que c'était en hiver. Donc, oui, il y a des vidéos qui ont été tournées en début d'année, qui sortent que maintenant. Parce que confinement, je voulais pas sortir des vidéos de sortie, bon, tout simplement pour éviter les questions bêtes. Et t'y voilà. Sinon, qu'est-ce que vous allez voir? Ben, vous allez voir plein de choses, parce que j'ai prévu pas mal de vidéos déjà jusqu'au mois d'août. Il y a quelques places encore jusqu'à fin août. Mais voilà, on va voir l'essai du Team Magic qui est en 4S pour les amis. Avec un pignon plus petit et un moteur plus petit, ça envoie déjà du steak. Alors d'origine, ça va être une monstruosité, le truc. Le petit Gale Toys, il va passer en brushless. Donc on attend le brushless chinois. La GFG, eh bien, on attend, bah, pareil, toute la cargaison de notre ami du Soleil Levant. Le Soleil Levant, le vent. La MCD, on va avoir une nouvelle carrosserie. Oui, je craque un peu sur la MCD. Dites-le-moi, hein, parce que là, c'était pas raisonnable. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous allez voir. Donc, LB Painting, malade, il reprend le service. Et quel service, hein, mes amis? Bref. Le RC8, il a les ventres à l'air. Parce qu'en fait, je lui ai vraiment mis, et on a fait de la piste avec, et franchement, c'est un avion de chasse sur la piste, sur le bitume, franchement, ça tient le pavé, mais un truc de malade, et encore que avec des pneus buggy, j'avais pas emmené les pneus GT, franchement, une tuerie, mais il y a eu un petit trottoir, bon, pas grave, j'attends juste une petite pièce qui va arriver, et ça va être réparé rapidement. On va aussi tester des nouvelles batteries dans le petit bateau. Voilà, dans le petit bateau. Donc des batteries graphène Turnigy qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles que j'ai appelées, qui sont quasiment au même prix, et qui sont assez réputées en tout cas, pour avoir des bons C, des vrais C. Donc à tester. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu le juge de paix, mon petit bateau là, parce que. Il envoie du pâté, comme vous avez pu le voir. Sur le Rebelle, il faut que je refasse les fixations, parce qu'il y a des nouvelles fixations pour les lipos. Et puis la MCD, pour l'instant, qui a le moteur du Rebelle, c'est pour ça que pour l'instant il ne navigue pas.
mais dont on a reçu le. Il est où? Théo, oui, il est où, Doudou? Attends, ben, c'est bordel, voilà. Ça, c'est le nouveau bébé pour la MCD, juste que mon ami Cédric va me refaire, on va essayer de refaire un axe coupleur pour un diamètre de 10, parce qu'on a essayé de, enfin, on a essayé de repercer l'axe de 10, de 8 sur ce modèle pour le, mais ça, voilà, on n'était pas totalement droit, donc ça forçait. Donc on va essayer de faire tourner un nouvel axe avec directement l'axe de 10 pour ce moteur, et j'espère qu'on va y arriver. Voilà pour le petit blabla. En préparation, vous allez voir. Ouais, je pense que j'ai encore un projet qui va arriver pour un abonné de sûr. Et puis après, up to you, hein, comme on dit. Up to you, and that's it, baby. Donc, merci encore à vous. Gros bisous à tout le monde, à toute la famille, à tous les youtubeurs du monde. Donc voilà, il n'y a pas de jaloux. Et puis, gros bisous, bel après-midi aux soirées. Et à ciao, ciao.